C'est vraiment très étrange. La plus grande partie de l'année, nous nourrissons et nous dorlotons les jeunes volatiles, nous les protégeons des rapaces et nous les défendons contre les braconniers. Puis à l'ouverture de la chasse, en automne, nous sortons les fusils et nous en abattons le plus possible. Simon! Bonjour Marge. Qu'y a-t-il au menu? Beaucoup de bonnes choses, dans du poulet. Je suppose que vous avez faim. Oh, je vais dévorer. Allez, allez, viens, Sinbad. Couchez, couchez. Faites attention. Oh, encore raté. Pas de chance. À ce train-là, on ne fera pas un festin. Oui, ces coqs de bruyère sont malins, ils se font passer pour des canards. Je crois que vous le faites exprès, vous n'en avez pas touché un de la journée. La vérité est que je ne suis pas un très bon chasseur, Marge. Oh, ne plaisantez pas, personne n'oserait penser ça à propos du fameux Simon Templar, le saint. On dirait que le brouillard se lève. Je crains que vous ayez raison, il va falloir arrêter dans quelques minutes. C'est bien assez tôt pour moi. C'est un des endroits les plus tristes que je connaisse. Il y a des gens qui vivent ici. Le garde-chasse a une petite maisonnette plus au nord. Le laboratoire est le seul autre bâtiment de ce coin-là. Un laboratoire? C'est une vieille ferme et un des ministères l'a réquisitionné il y a quelques années. Il a ajouté d'autres bâtiments. Les bulldozers, les bétonneuses, tout ça a gâché le gibier pendant 2 saisons. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Oh, personne ne sait, c'est une de ces affaires ultra secrètes. Il faut arrêter, la chasse est finie pour aujourd'hui. Si vous êtes prêt, monsieur, nous pouvons aller aux voitures. Oh, je vais rentrer à pied, je crois. Il va faire nuit avant que vous soyez arrivé. Un peu d'exercice me fera du bien, j'ai envie de remuer. Le chemin le plus court pour rentrer, c'est de passer par la grande crevasse, là. Merci. Dites au colonel que je me dépêche. Très bien, monsieur. Seize pièces. C'est pas mal à cette date de la saison. Sinbad! Allez, viens, voyons. Sinbad! Oh, mais je ne comprends pas. Il n'est encore jamais parti aussi longtemps. Peut-être qu'il a trouvé du gibier quelque part. Il reviendra bien, t'inquiète pas. Mais bon sang, bonsoir, où sont-ils tous? Darnley, appelez encore une fois. Sims, où est M. Templar? Il rentre à pied, monsieur. Il a dit qu'il se dépêcherait. J'ai l'impression qu'il sera rentré avant nous. Bon, mettez vos affaires à l'arrière de la voiture pour qu'on puisse aller ramasser tous les autres. On ne peut pas s'en aller sans avoir retrouvé Sinbad. Bon, ce n'est rien. Ça ne me surprendrait pas qu'on le trouve à la maison quand on y arrivera. Allez, viens, monte dans la voiture. Est-ce que vous voulez que j'essaie de trouver Sinbad, mademoiselle? Oh oui, ça me ferait très plaisir. Merci tout mon cœur, Sims. Je crois que vous allez perdre votre temps, Sims. Allez, on va rentrer. Le brouillard commence à être épais. J'espère que Simon ne va pas se perdre. C'est peu vraisemblable. Si je me souviens bien, Simon a un meilleur sens de l'orientation qu'un pigeon voyageur. Templar est rentré. Non, pas encore. Oh, il ne doit pas être très loin derrière nous. Est-ce que tu veux boire quelque chose avant de te changer? Oui, s'il te plaît. Oh, je crois que je vais d'abord aller voir à la niche si Sinbad est revenu. J'y étais il y a quelques instants, mademoiselle. Il n'était pas encore là. Oh, mais je suis sûre que Sims va le trouver. Oui, et j'espère que nos autres invités de ce soir n'auront pas les mêmes goûts champêtres que Simon et Sinbad. Merci. Merci. Parce que sinon, j'ai peur que nous passions une soirée lugubre.
J'ai abattu un coq du premier coup. Puis je me suis tourné et j'ai tiré le second coup. Et que je sois pendu si j'ai pas abattu deux autres coqs d'un seul coup. Vous devez avoir des réflexes très rapides. Ah, il faut en avoir quand on chasse les grouses. Merci. Mais j'y pense. Est-ce que monsieur Templar va bien? Oui, je crois, monsieur. Il va arriver. Bon. Mon autre invité a eu une curieuse aventure ce soir. Qu'est-il arrivé? Hein, il ne m'a pas raconté les détails. Mais d'après ce que j'ai compris, je pense qu'on a voulu le voler. Un homme l'a attaqué. Vraiment? Il est blessé? Oh, il a une énorme bosse sur le sommet du crâne. Ah, Simon, nous parlions justement de vous. Allez, venez, dites-nous exactement ce qui s'est passé. Oh, je ne sais pas très bien, nous pourrions en parler plus évidemment, tard. Évidemment, il faut vous remonter un peu. Thompson, maintenant je vais vous présenter mes invités. Voici Simon Templar, le professeur Edward Ockridge. Monsieur Templar. Professeur. Et voici Jack Ingram. Heureux de vous connaître. Enchanté. Mais au fait, où est Marge? Je ne sais pas, elle est montée se changer il y a déjà longtemps. Thompson, voulez-vous monter dire à mademoiselle Marjorie que l'on n'attend plus qu'elle? Oui, monsieur. Ockridge et Ingram travaillent au laboratoire de recherche, mais ce n'est pas la peine de leur demander ce qu'ils y font. Ils ne vous en diront pas le moindre mot. C'est vrai pour Ockridge, mais il n'y a pas de secret sur ce que je fais. Je suis le responsable de la sécurité. C'est plutôt isolé, d'après ce que j'ai pu voir. Ça m'étonnerait beaucoup que vous ayez des ennuis avec des curieux, n'est-ce pas? Je serais bien content qu'il y en ait, mais mon plus gros problème est de me distraire. Vraiment? Eh bien, vous pouvez venir chasser avec nous un de ces jours. Ça pourrait vous intéresser. Oh non, ça ne pourra pas marcher. Monsieur Ingram est un homme qui n'aime pas les sports violents. Je ne suis pas contre tous les sports violents. C'est seulement que je ne pense pas pouvoir trouver du plaisir à tuer ces pauvres bêtes. C'est étrange, mais mon inséparable copain, qui est en même temps mon ange gardien, est très sensible. Il y a des gens qui considèrent que tuer des animaux n'a aucune espèce d'importance, surtout parmi les savants qui cherchent les moyens perfectionnés de tuer leurs semblables. C'est le genre de remarque que j'attendais de mon brave copain. Vous savez que ces armes resteront inemployées. Alors vous n'éprouvez pas le sentiment de perdre votre temps en les fabriquant, n'est-ce pas? Je suis navré, nous nous sommes laissés emporter. Non, ce n'est rien. Bon. Allons dans la salle à manger. Mademoiselle Marjorie n'est pas chez elle, monsieur. Quoi? Alors, Marjorie? Papa, ils ne sont pas rentrés. Pas rentrés? Mais il est presque 9 heures. Tu es certaine qu'ils ne sont pas rentrés? Je viens d'aller voir jusqu'à la niche. J'ai même été voir s'ils n'arrivaient pas par la lande. Et même jusqu'au rocher du loup. Il n'y a pas de trace de Sims. Et le chien est toujours dehors? Je n'arrive pas à le trouver, papa. Messieurs, je vais devoir vous demander de m'excuser, mais un de mes serviteurs est dehors, dans la lande, et cette lande est très dangereuse, même quand on la connaît bien. Il va falloir que j'organise des recherches. Je vais aller avec vous. Ockridge et moi allons préparer la voiture. Oui, oui, évidemment. Je vais avoir besoin de votre aide, messieurs. Thompson. Monsieur. Allez chercher tous les hommes de la maison. Je veux qu'ils soient tous là avant 20 minutes. Oui, monsieur. J'ai des cartes de la région très précises dans mon bureau. Il va falloir diviser la lande en plusieurs secteurs. Simon, s'il lui est arrivé quelque chose, ce sera de ma faute. C'est moi qui lui ai demandé de rester là-bas. Ne vous en faites pas, Marge. Nous le retrouverons. Mais au fait, n'avez-vous jamais entendu raconter des histoires à propos des feux follets sur la lande? Vous devez parler des gens qui prétendent avoir vu le gaz des marais. Vous voyez que je suis au courant. Je sais que le nom scientifique est Ignis Fatuus. Non, ça n'a rien à voir. Que voulez-vous dire? Ça n'est pas très important. Ce dont j'ai peur, c'est qu'il soit tombé dans une des tourbières. Elle pullule dans cette lande. Avec une demi-douzaine d'hommes à pied et deux voitures, nous le trouverons bien. Il y a beaucoup de brouillard. Ça ne va pas faciliter les recherches. Voici le rocher de la chèvre. C'est là que nous devons rencontrer la voiture. Je crois que j'ai vu la lumière des phares d'une voiture tout à l'heure. Ah, ça doit être Ockridge et Ingram. Écoutez. Je n'entends rien du tout. Rien de nouveau. Simon croit avoir entendu quelque chose. C'est Sinbad, je suis sûre que c'est lui. Allons voir. Oh, on l'a retrouvé. Sinbad. Ingram, emmenez Marge à la voiture et allez dire à tous les autres que nous l'avons trouvé. Entendu. Venez. Allez, monte. Vite, allez. Réveille, Sinbad, vite. Allez, dépêche-toi de monter. Vous feriez mieux d'aller aider nos amis, Jack. Comment vous sentez-vous? Oh, je vais très bien. J'irai avertir les autres. D'accord, si vous êtes sûr de vous.
Simon. J'ai bien peur qu'il ne soit mort. Il connaissait cette région mieux que personne d'autre. Simon, il va falloir qu'on le sorte de là. Je vais aller chercher ce qu'il faut dans la voiture. D'accord, colonel. Alors, docteur, de quelle hauteur est-il tombé? Oh, pas plus de la hauteur d'un homme. Alors, la chute n'est pour rien dans tout ça. De quoi voulez-vous parler? De ses blessures internes. Je ne vois pas comment c'est arrivé. Le squelette tout entier semble avoir été réduit en morceaux. Les os sont devenus très cassants. J'en saurai plus demain matin quand je ferai un examen approfondi. Pouvez-vous nous dire à quoi est due la mort, à votre avis? C'est évident. Je pense pouvoir dire que c'est la chute. Tant bien qu'il s'est cogné la tête et... Ah alors... non. Il était mort bien avant la chute. Les blessures causées par les rochers n'ont pas saigné du tout. Avant la chute? Mais alors de quoi est-ce qu'il est mort? Je ne connais absolument rien au monde qui puisse causer des blessures comme celle-là. Parce que c'était mon travail. Mon Dieu, pardonnez-moi. Je vous ai aidé à créer le diable. Maintenant, il faut que je le détruise. Il faut que l'on rende public toutes nos expériences. Il faut faire connaître les résultats. Votre stupide idée d'avoir voulu l'expérimenter hors des limites de notre laboratoire a déjà coûté une vie humaine. Si vous refusez de détruire l'appareil, je le ferai moi-même. Et si vous essayez de m'en empêcher, je vous tuerai. Je vois, oui. Bon, très bien. Je vais là-bas le plus vite que je peux. Tiens, je croyais que vous dormiez. J'allais justement me coucher. Simon, il faut que je sorte maintenant. Vous me feriez plaisir en venant avec moi. Pourquoi, que se passe-t-il? Un homme a été assassiné à la station de recherche. En tant que chef de la police du comté, je ne tombe pas sous le coup des restrictions de sécurité qui sont en vigueur dans la station. Alors, vous pouvez y pénétrer, mais vos hommes ne le peuvent pas. Non, à moins d'y être autorisé par Londres. Simon, ce laboratoire est ultra secret. Mes hommes n'ont aucune autorité à l'intérieur de son enceinte, à moins que le ministre ne donne son approbation. Écoutez, franchement, je n'aime pas du tout l'idée de rester dehors pendant que vous vous livrerez à votre enquête. Quand Ingram m'a téléphoné, il a insisté pour que je vous emmène. C'est pourtant contraire au règlement. Mais il y a eu meurtre. Je ne peux m'empêcher de penser que les recherches qu'ils effectuaient sont liées très étroitement avec l'assassinat de Sims. Pourquoi? J'ai observé Oakridge quand le docteur faisait son rapport. Il semblait avoir très peur de quelque chose. Oui, il avait l'air plutôt nerveux. Oui, maintenant, il est le premier sur ma liste de suspects. Alors vous pouvez le rayer. Quoi? C'est Oakridge qui a été assassiné.
C'est agréable d'être bien accueilli. Ah, voilà Ingram. Désolé pour le grillage électrifié, mais le Premier ministre ne pourrait pas rentrer, lui non plus. Très bien, ça va. Merci. Tout est resté comme vous l'avez trouvé? Exactement. Oui. Le tournevis est l'instrument du crime. Je l'ai enlevé. Je pensais qu'Ockridge était encore en vie. Alors vos empreintes y figurent. Je n'ai fait qu'essayer de sauver un homme. Je ne pensais pas à des choses de ce genre. Il a essayé d'écrire avant de mourir. COP. Les premières lettres de copain. On dirait, oui. Chez moi, dans la soirée, quand vous discutiez avec Ockridge, il vous a appelé son copain. Il se servait de ce mot d'une façon ironique. Colonel North, vous avez ma parole que je n'ai pas tué le professeur Ockridge. Mais je comprends que d'après les événements, vous me preniez pour le premier suspect. Combien êtes-vous en tout dans le laboratoire? Nous sommes 11. Ce chiffre comprend l'équipe de recherche et les gardes, et moi-même. Vous êtes 11. Eh bien, en écartant la possibilité que quelqu'un ait pu franchir le périmètre d'enceinte, ça limite notre champ de recherche à ces 11-là. C'est forcément quelqu'un d'ici. J'aimerais parler aux autres. Tout le monde, excepté les gardes qui sont de service, se trouve ici. Alors, messieurs, vous appartenez à la police. Voici le professeur Rand. Il s'occupe de la recherche. Écoutez-moi, je veux que vous régliez vite cette affaire. Naturellement, la mort d'Ockridge est un problème qui nous concerne tous ici. Bien que nous regrettions ce qui s'est passé, nous ne pouvons pas nous permettre d'interrompre le très important travail que nous effectuons ici. Vous comprenez? Bien sûr. N'auriez-vous pas dit la même chose, colonel? Oh, oui. Oui, je crois bien. Alors, nous allons tous vous raconter exactement ce que nous savons. Puis, je vous dirai ce que je pense. Et vous ne reviendrez plus nous embêter avec toutes vos maudites questions. Vous pouvez commencer. Vous pouvez utiliser mon bureau. Au sujet de ce rapport, vous avez fait ce que nous avons. Oui, très bien. Qui a trouvé le cadavre? C'est moi. Il était près d'une heure et demie. Je me trouvais dans le couloir, et je me rendais à ma chambre. Et voyant que le professeur Soren était dans son laboratoire, je lui ai crié bonsoir en passant. Qui est le professeur Soren? C'est moi. C'est tout à fait exact. J'ai vu de la lumière sous la porte du laboratoire du professeur Ockridge. J'y ai jeté un coup d'œil, et je l'ai vu étendu par terre. J'ai appelé Soren, puis j'ai entendu Ockridge gémir, alors je me suis dépêché d'enlever le tournevis. Ce n'était qu'une affaire de secondes avant que je rejoigne Ingram. Est-ce que vous auriez eu le temps d'effacer le mot sur le plancher? Oh oui, je suppose que je l'aurais eu. Oh, à peine. D'accord, alors je n'aurais pas pu. Je suis navré, je ne voudrais pas faire d'histoire. Mais enfin, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu Ockridge ce soir-là? Oui, monsieur. C'est John Burney, un des gardes du laboratoire. Le professeur Ockridge et monsieur Ingram sont arrivés ici ensemble, monsieur. En voiture. C'est moi qui leur ai ouvert la grille. Et ensuite, ils sont entrés dans le laboratoire ensemble. Il devait me prêter un livre. Je suis entré avec lui pour le prendre. Vous pouvez nous le montrer? Non. Il ne l'avait pas trouvé. De toute façon, quand Klein est venu dans le couloir pour la relève, il a pu surprendre une dispute assez violente. Eh bien, le professeur parlait si fort que j'ai écouté à la porte. Est-ce que vous avez entendu une autre voix dans la pièce? Oui, j'en ai entendu une autre, mais je n'ai pas pu la reconnaître. Est-ce que vous avez compris ce que Ockridge disait? J'en ai compris une bonne partie, tellement il parlait fort. Celui qui était avec lui, au contraire, parlait à voix très basse. Que disait le professeur? Eh bien, il disait quelque chose comme... « Ça a déjà été trop loin, nous ne pouvons plus le contrôler. » Puis il a parlé de destruction et du diable. Je n'ai pas pu tout comprendre. La seule chose que j'ai distinctement comprise était « Il faut le faire savoir. » Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire savoir? Je ne sais pas, monsieur. Savez-vous à quoi Ockridge faisait allusion, professeur? Eh bien, j'ai... Non, je ne vois pas du tout.
Je sais seulement que s'il s'était passé quelque chose d'important, en tant que directeur des recherches, j'aurais été mis au courant. Notre travail n'a rien de sinistre, je vous l'assure. Personne d'autre n'a quelque chose à ajouter ? Bon, très bien. Mes hommes viendront demain matin prendre vos déclarations. Je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus ce soir. Vous pouvez vous retirer, messieurs. Au vu des indices, Ingram est votre homme. Peut-être même qu'il l'est beaucoup trop. Oui, c'est vrai. Ce qu'il y a de plus embêtant, c'est ces trois lettres, COP. Le meurtrier a pu tremper le doigt d'Ockridge dans le sang et l'avoir écrit. Et d'ailleurs, peut-être que le mot n'est pas copain. Vous pensez qu'il a pu écrire les trois premières lettres d'un autre mot avant de mourir? À la fin du mot doit pouvoir se retrouver. Et ça ne peut être que dans ses laboratoires. Avez-vous une quelconque idée de ce que vous recherchez? Cette nuit, quand j'ai rencontré ce que vous croyez être un braconnier, je... Si vous avez terminé, je vais vous raccompagner. Nous aimerions faire un petit tour avant de repartir. Voilà, vous avez tout vu, il ne nous reste plus qu'à nous en retourner. Sans nous donner tous les secrets d'État, vous pouvez nous dire quelle est la nature de ces recherches? Les armes atomiques. Tous les savants travaillent sur le même projet? Oui, mais ils ne travaillent pas l'un avec l'autre. Le professeur Rand rassemble leurs découvertes et en fait lui seul la synthèse. Alors, un de ces savants pourrait travailler sur quelque chose sans que ses camarades le sachent? Oui, je suppose que c'est possible. Où voulez-vous en venir, Simon? Oh, simple curiosité, nous ne sommes pas encore entrés là. Non, c'est le laboratoire personnel du professeur Sorel. Oh, je suis désolé, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? On voudrait jeter un coup d'œil, si vous permettez. S'il le faut, faites-le. Allez-y, qu'on en finisse vite. Tiens, c'est une cellule vivante? Oui, une forme de vie des plus simples. Nous en sommes très fiers, elle a été en effet créée dans nos laboratoires. Vous voulez dire que vous lui avez donné la vie? Mais oui. Je croyais que vos recherches ne concernaient que les radiations. Oui, c'est exact. Mais pas seulement en tant qu'armes. Elles peuvent créer la vie aussi. Quand notre monde est apparu, il a sûrement été sujet à des radiations plus ou moins intenses. Et peut-être même que ce sont elles qui ont créé la vie, messieurs. Oui, sous la forme de la plus simple des cellules. Le premier être vivant de cette Terre n'était peut-être pas très différent de celui-là. Je crois que vous en avez assez dit, professeur Sorel. Désolé. Je dois vous rappeler que notre travail est des plus confidentiels. Maintenant, messieurs, si vous avez vu ce que vous vouliez voir, je vous demanderai de vous en aller. Qu'y a-t-il ici? Une chambre de culture. C'est fermé? Oui, j'ai quelques cultures d'amibes depuis quelque temps. Il y a une température contrôlée et je préférerais que personne n'aille là-dedans. Eh bien, je souhaiterais pouvoir y entrer si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Entendu, mais... Non! Je ne permettrai pas que votre enquête sabote une quelconque expérience. Si le professeur Sorel désire que cette porte reste fermée, alors elle le restera. Je ne vous permettrai de l'ouvrir que si le ministère l'ordonne. Bien, nous allons veiller à ce que le ministère vous l'ordonne. Pas vrai? Cette pièce est importante. Elle est vitale. Vous allez devoir attendre jusqu'à demain. Je ne pense pas que vous puissiez oublier quelle est votre position et que vous m'aidiez à entrer dans cette pièce. C'est une idée qui me tenterait, car cela pourrait vous prouver mon innocence. Mais non, la sécurité est ma responsabilité, je ne peux pas faire ça. Je vais au quartier général de la police avec le colonel North, je reviendrai dans 2 heures. La porte sera ouverte, conduisez le plus vite possible et attendez-moi juste après le grand chêne. Et voulez-vous en venir? Je vous expliquerai. Thank you.
Je crois que je vais aller vérifier les fils. Et que penserais-tu d'une tasse de thé? Entrez, Ingram. Bonjour, monsieur. Alors? Oui, je l'ai eu. Voici la permission du ministre d'enquêter dans tous les laboratoires. Bon, bon. Alors, je vais faire prendre vos empreintes digitales le plus vite possible. Vous voulez un peu de café? Non, merci. Mais où est monsieur Templar? Il mange un morceau dans sa chambre. Ah, je voudrais savoir ce qu'il a découvert cette nuit. Est-ce qu'il ne vous a rien dit? Non, rien du tout. Si ce n'est qu'il voulait les dossiers complets de tous les savants. Oui, dans ce cas précis. Au revoir. Voilà, c'est fait. Advienne que pourra. Bonjour. Bonjour, Simon. Et ce coup? Toujours douloureux. Je suis navré, j'essayais seulement de me rendre utile. Je vois que vous avez ce que vous cherchez. Ils sont tous là. Êtes-vous décidé maintenant à nous dire ce que vous avez trouvé? Oui, je crois que j'ai trouvé un mobile. On y va? Oui. Au revoir, chérie. Le dossier Oakridge est vraiment très complet. Hein? On a fait une enquête très sérieuse. Il est venu au monde en Russie. Ah oui? Je croyais que vous le saviez. Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Marge, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous voulez aller à la bibliothèque de la ville? Que voulez-vous que j'y fasse? Simon! Je viens! Eh bien, voilà. J'ai horreur de conduire par ce temps-là. En tout cas, la circulation ne sera pas importante. Désolé de vous avoir fait, hein? Non, je n'ai rien. J'ai fait des découvertes très intéressantes. Vous savez enfin qui a tué Oakridge? Non, mais il ne me reste maintenant que quatre coupables possibles. Qui? D'abord, il y a Soren. Non, non, Oakridge et lui travaillaient ensemble en Amérique. Ils étaient très amis. Peut-être bien. Ensuite, il y a Rand. J'avoue qu'il avait l'air décidé à ne pas permettre d'ouvrir la porte de sa pièce la nuit dernière. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Pas Rand. Pourquoi pas? Eh bien, il n'a vraiment rien d'un tueur. Si les meurtriers avaient tous la même tête, il serait plus facile à capturer. Entendu. Qui d'autre? Klein, le garde. Oui, cela fait trois, mais qui est le quatrième suspect? Vous, monsieur Ingram. Ah, vous voilà revenu. Bonjour, monsieur le professeur. Et on a la permission... Oui, de... oui, je suis au courant, monsieur. Le ministre m'a téléphoné ce matin. Je lui ai fait comprendre que je considérais ceci comme une intrusion inexcusable dans notre domaine. Entendu. Vous voulez bien nous ouvrir la porte maintenant? Donnez-moi les clés. C'est une partie d'un vieil immeuble, on dirait. Mais cela faisait partie d'une ancienne ferme. Il y a eu bien sûr pas mal de modifications.
Alors vous y voilà, messieurs. Si vous aviez pensé que nous vous cachions un meurtrier maniaque là-dedans, j'ai peur que vous soyez sérieusement déçus. Vous ne pouvez blâmer nos savants de partir pour l'Amérique, n'est-ce pas? Vous voulez aller autre part, Simon? Non, merci, colonel. Pas pour le moment. Alors, il semble que vous ayez fait beaucoup de bruit pour rien, et je suppose que vous êtes satisfait. Non, je crois que le pour rien est de trop, professeur Rand. En fait, les portes n'exercent une quelconque attraction sur moi que si elles sont fermées. Allons voir maintenant où en sont les spécialistes des empreintes. Entendu. Simon, je crois que vous en savez beaucoup plus que vous ne m'avez dit. Je ne veux pas être grossier, mais j'insiste pour que vous me donniez ces informations. J'ai peur que ces informations ne soient que des présomptions. Vous pouvez toujours me mettre au courant. Très bien. Cette nuit, quoi que ce soit, ou qui que ce soit... North. Oui. C'est un appel pour vous de l'extérieur. Merci. Allô, oui, passez-la-moi. Allô, Marge, vous l'avez? Oui, oui, ça y est, je l'ai, Simon. Je ne vois pas très bien comment cela va vous aider à trouver le meurtrier. Il faut combien de temps pour venir ici? Oh, il y a pas mal de brouillard. Il y a un chemin qui traverse le terrain de chasse. Si je passe par là, je peux gagner plusieurs bonnes minutes. Très bien, faites attention. Au revoir. Dès que Marge sera ici, vous aurez votre coupable. Quelqu'un a pu entendre notre conversation. Où est-ce que vous allez? M'assurer que Marge arrivera ici. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Appelez la porte d'entrée, il faut que je puisse sortir sans perdre un seul instant. Allô, la porte d'entrée? C'est moi, Marge. Simon, il a essayé de me tuer. Tout va bien, Marge. Qui était-ce? Mais qui était-ce? Mais j'en sais rien. Mais je vais le savoir dans 20 minutes. Vous avez le livre?
Il est dans la voiture. Je n'y comprends rien. Bien, Marge, il ne reviendra plus. Allez, venez, retournons à la voiture. Colonel North, je dois protester. Vos hommes se sont rués chez nous comme des enfants dans une école. Ce que M. Templar a à nous dire ne sera pas long. Et je ne crois pas que vous trouviez ça inintéressant. Il y a une ou deux choses que j'aimerais éclaircir. Tout d'abord, Oakridge parlait bien notre langue. Et la plupart d'entre vous croyaient que c'était un compatriote. Mais est-ce que l'un de vous l'a entendu parler dans sa langue natale? Eh bien, certaines fois, quand il était énervé, il parlait en russe. Merci. Professeur Rehn, pourquoi teniez-vous tant hier soir à ce que la porte de la chambre de culture ne soit pas ouverte? C'est un des privilèges que j'ai ici. Je ne permettrai pas qu'un homme vienne fouiner dans des affaires qui ne le regardent pas. En d'autres termes, vous avez fait un caprice, c'est ça? Quoi? J'essaie seulement de vous montrer que votre pouvoir de vous opposer à toute action de la police fournissait un mobile de meurtre. Je ne vois pas en quoi. Un de vos chercheurs a découvert quelque chose qui peut être un résultat normal des recherches poursuivies, mais puisqu'on ne lui pose pas de questions, il peut le fabriquer dans le plus grand secret. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il a fait est une arme terrible. D'autre part, Oakridge a pu découvrir cette arme tout seul, ou il peut très bien avoir aidé à sa fabrication. Dites-moi, si Oakridge était vraiment dans le coup, pourquoi l'a-t-on abattu? Parce que cette arme est terriblement destructrice, capable de détruire toutes les formes de la vie, humaine ou non. Cette nuit, elle a tué Sims. À cet instant, Oakridge a réalisé qu'il avait été trop loin. Il a décidé d'aller prévenir les hautes autorités. Son compagnon a dû l'en empêcher. Alors, la question est, qui était son compagnon? Oakridge a commencé à écrire le nom de ce compagnon, son tueur, avec son propre sang. Mais il n'y a personne ici dont le nom commence par COP. Oakridge était mourant. Il a pensé et agi dans sa langue natale. Le mot qu'il écrivait était russe. Mais qu'est-ce que COP signifie en russe? Mademoiselle North va vous expliquer la différence avec l'alphabet russe. En russe, le C est le S. Et le O est le même dans les deux langues. Et le P est l'équivalent du R. Alors, il semblerait que Oakridge essayait d'écrire Soren. Ne vous approchez pas de moi. J'ai créé une arme qui peut changer la face du monde. Ne bougez pas! Soren, en quoi votre invention est-elle différente d'une simple bombe nucléaire? Elle détruit toutes sortes de vies, mais sans laisser aucune trace de radiation. Le classique rayon de la mort, quoi. Et vous l'avez conçue dans le plus grand secret, hein? Mais vous n'en profiterez jamais. Quand les ouvriers sont venus refaire le parquet de la chambre de culture, j'ai pu trouver un tunnel qui aboutit dans le parc. C'est assez drôle, non? Tous les passages étaient sévèrement gardés nuit et jour, et moi je pouvais aller et venir comme il me plaisait. Où que vous alliez, on vous retrouvera toujours. J'ai déjà téléphoné à quelqu'un. Et dans quelques heures, j'abandonnerai ce pays pour un autre gouvernement qui me versera plusieurs milliards. Donnez-moi cette arme, Soren. Il est là. Il a goûté à sa propre trouvaille. Mon Dieu. Quelle horrible machine. Il n'en reste plus grand-chose, ce qui me ferait plutôt plaisir. Peut-être que c'est mieux ainsi. Je crois que oui.